Bonjour à tous, c'est Drunky Kito et pour ce. C'est pour la finition de l'épisode numéro 1, l'épisode 1.4, 1.3. Je vais vous montrer comment générer le projet, c'est-à-dire le mettre sur votre ordinateur pour après l'uploader. Pour après le mettre en ligne et pour que les gens le téléchargent. Donc nous avons mis tout ça. Le code est toujours tuto. Il est toujours tuto. Donc. Nous allons faire projet, propriété de formulaire. C'est un tuto très très court hein, par rapport à ce que je fais. Donc, nom de l'assemblée, ce sera on met de formulaire. Non, j'ai pas mis de formulaire, j'ai mis de formulaire. Icône par défaut. Alors, l'icône, comme je vous expliquais dans une demi-vidéo, vous pouvez télécharger une image depuis un internet et mettre un. Puis enfin mettre une image et la changer en point icône. Mais moi je vais pas mettre d'icône. Enfin si je remettre un tuto quand même assez complet. Donc vous allez ici, vous marquez Google. Attends mais je veux Google, je veux pas aller. Bon attends, ça va. Donc Google.fr. Google.fr, vous tapez non, je vais marquer formulaire. Bon, ça peut mettre beaucoup de choses, hein, mais c'est juste pour voilà. Vous faites icône de formulaire, clic droit. Enregistrer l'image sous et moi je vais le mettre sur mon bureau et je vais marquer icône formulaire, c'est parfait. Enregistrer. Donc ça c'est fait. Maintenant j'ouvre Format Factory, comme d'habitude. Format Factory, c'est en train de s'ouvrir, voilà. Tout type Verico. Je vais mettre mon image à l'intérieur, en fait, ok. Ici, je vais faire démarrer. Voilà, c'est fini. Alors, attends, je vais récupérer mon truc. Disque local C, FF out. Il est ici. Parfait, ça a marché. Donc, icône par défaut parcourir. Alors, il est dans ordinateur, disque local C, FF out. Ici, ouvrir. C'est parfait. Après, formulaire de démarrage, c'est la forme 1. Bon, ça c'est bon. Activer l'instructeur, ouais. Activer les styles Visual XP. Application instantanée. Mode d'identification. Ça c'est les formulaires du dernier formulaire. C'est important. Enfin, c'est pas très important, mais il faut quand même le mettre. Écran de démarrage. On s'en fiche. Voilà. Compiler. Bon, là c'est le plus important. Et c'est là qu'on va justement le mettre. Donc, parcourir. Moi je vais le mettre aussi sur le bureau. Vous mettez sur le bureau, faites sélectionner un dossier. Bon, ça sera le bureau. Voilà. Du coup, le chemin, notre truc va s'installer sur le bureau. Pour finir, pour l'installer, vous allez dans l'onglet déboguer, générer formulaire. Vous attendez. Ici, c'est marqué la génération a réussi. Vous faites ça. Alors, il y aura plein de trucs. Il y aura ces deux trucs. Ça c'est des trucs qui ne servent à rien, du coup vous faites supprimer, oui. Et là vous avez votre formulaire. Alors ça, on va le mettre ici. Vous double-cliquez. Petit problème. Pas grave. Bon, alors, petit problème. Ah voilà, formulaire de démarrage, c'est forme 1. Je suis trompé. Donc déboguer, générer formulaire. Génération a réussi, vous enlevez. Alors j'espère que cette fois ça a marché. Alors on supprime ça comme d'habitude. On double-clique. Et là voilà parfaitement, ça doit marcher. Normalement, nom, prénom, email, jour, le mois, comme ça, valider et recevoir le code. Alors le code c'est tuto, on fait OK. Et le code, on tape tuto, valider, code correct, redirection. Et là, ça nous ouvre. La forme numéro 3 et il n'y a rien dedans. Donc après vous allez sur Google, vous tapez Mediafire,
Vous vous créez un compte et à partir de Mediafire, vous faites votre, vous mettez votre formulaire et vous le glissez. Vous l'uploadez. Bon, moi, je vais le faire, mais je vais pas le faire en compagnie de vous. Hein. Je vous pourrai télécharger, le lien est dans la description. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle. Allez, bye tout le monde.